Salut les gars, bienvenue sur Plastic Dream, samedi 2 juillet 2022. Le temps passe vite. Voilà, alors j'ai passé une couche de X22 hier sur ce fameux petit Swordfish. Et là, on va passer le jus. J'ai déjà passé un petit peu, là j'ai commencé un petit peu avant que vous arriviez. On va terminer ça, ça prend du temps. Bon, tout en discutant. Hop, blablabla. Alors, Floppy, hein, mon copain Floppy, comment ça va? Comment va Lisa? Salut Cyril, salut Julien. Je suis en train de regarder le replay d'hier. Ah bah, tu vois, là, t'es peinard, tu tombes sur un direct. Salut Paul, salut Gabriel. Olivier, Sylvain et mon ami Jean-Frédéric Villette, salut. Comment ça va les gars? Est-ce que ça m'inquiète ou pas? Je sais que Julien non, je crois que Julien est en train de faire un déménagement, c'est ça? Ou t'as fini? Donc j'ai fait un petit jus maison hein, comme d'habitude, hein. Je ne vais pas vous réexpliquer, on l'a déjà vu ensemble des centaines de fois. Et puis je passe ça ben voilà, un peu partout quoi. Puis après je passe un peu de. Je nettoie un peu au coton-tige. Et rouler le laisse. Ah, ça bip bip. Il y a déjà une petite photo sur. Sur Discord. Jean-Frédéric, ça va? Petite bourse expo ce matin et maquette. Ah bah super! Salut Dragoon! Trop chaud pour maqueter. Ouais, si ça va, il fait 23. Voilà. Et puis il y a un peu de vent en plus, donc c'est très très agréable. Il fait pas chaud, c'est très très bien. Ça va bien, je monte mon camion, nous dit Floppy. Elisa monte les PE de Star Wars et c'est pas simple du tout. C'est pas pour les enfants, mine de rien. Ah oui, non, c'est un truc assez costaud, hein. Après, elle sera une pro en photo découpe. Bon, j'ai fait une erreur sur mon Swordfish là. Pas trop, ça se voit, une fois qu'on le sait, on a l'œil dessus, c'est mort. Mais... j'ai pas le courage de la refaire et tout. Je l'ai montré à ma fille, je l'ai mis au métier, je lui ai dit, tiens, qu'est-ce que t'en penses? Est-ce que tu penses qu'il y a une erreur? Il y a un truc qui... Elle m'a dit non, ça va, tout va bien. Donc elle l'a pas vu. Donc je me dis que... Salut Johan! Sylvain, j'ai fini mon tracteur Vérochevette et le canon de 122. Bah, la photo, elle est où? Sur Discord. Julien, oui, j'ai été aider un collègue qui n'avait pas grand monde dans son aménagement, ça a été assez vite. Ah bah ça va. Salut Thomas, French Model Kit, comment ça va? Salut Xavier, salut Tigrou! Bonjour depuis Madrid, est-ce que tout le monde va bien? Je pense que oui. On va regarder sur Discord, et regardez-moi ça. Petite Kubelwagen, de la part de notre ami Jean-Frédéric Villatte. On avait avant le travail de François Michel. Elle est sympa avec toute cette résine, là, ces trucs en résine, c'est sympa. T'as eu ça où, Jean-Frédéric? Ça vient d'où tout ça? Bien, il bosse sur la Ferrari Thomas. Pas mal de commandes à suivre. Oh, génial! C'est le kit Black Dog. Ah, ok, c'est ce que je pensais. Mais chouette, hein?
vraiment sympa. Là, tu vas te régaler côté peinture, Jean-Fred. Ah ouais, cool. Vous voyez, j'ai posé les câbles, hein, on voit pas trop. Bon, vous verrez au final, mais j'ai posé tous les câbles, sont posés, tout est. Donc, je vais mollo là parce que. En train de monter le train de roulement pour la chenille de la Kibelogan. Ah. Et Olivier est en train de monter les modules de peinture pour son atelier de maquette. Bah, génial. Salut Patrice. Patrice, pardon. Voilà, floppy. Ah. Ah bah ouais, ça avance, dis donc. Avant son petit, enfin ton petit, c'est pas tellement petit que ça. Alors, je vais faire aussi un petit comme ça là. On va laisser un petit peu sécher. Camion là, c'est sympa. Et ça, c'est la PE de Sonia, de Lisa. Oh là là. Ouais, c'est pas simple. Hein. T'obtiens un beau petit truc après, mais c'est pas simple à assembler. Hein. Après t'as passé le shipping. Gabrielle ne fait rien, mais ensuite elle va faire la peinture, la salle à manger. Ah bah c'est pas pareil. Ou alors tu vas le faire à l'aéro peut-être. Faut que je prépare le prochain poste de mon Sherman sur le club. J'ai pas eu trop le temps de m'en occuper ce mois-ci. Ouais, c'est du boulot ça, hein. Entre les photos, tout ça. C'est pas évident, ma quête en métal, c'est vrai. Voilà, alors, on prend un peu de coton-tige. On trempe un peu dans le tuyau, on enlève un peu. Et après, il suffit, hop, voilà. Dernière vidéo, j'avais raison, hein, YouTube, ils m'ont scotché. Hein. Donc la vidéo va pas dégager, mais elle est démonétisée. À cause des vidéos que j'ai passées de YouTube. Bon, c'est pas très grave. Hein. C'est pas la fin du monde. Enfin, comme quoi, ils sont assez sévères et ils font gaffe. Hein. Thank you.
Salut Balou. Julien, oui, je me suis pris, j'ai pris la formation sur Udemy. Ah oui, la formation figurine. C'est sympa ça. Moi, je fais toutes mes formations. Je les ai fait sur Udemy. Hein. Tu vois, ma formation Adobe Premiere Pro, ma formation. J'en ai fait plein, j'en ai fait une sur le dessin aussi, là, en mode mois de mai, quand je suis rentré à la maison. C'est vachement bien foutu. Hein. J'avais profité d'un. Il y avait un truc de promo là, tu sais. Ma formation After Effects aussi, elle était à 140 balles et là c'était 12,99 pendant 24 heures. Là, je sais pas quoi. Du coup j'en avais profité. Et c'est un bon système, hein, c'est sympa. Hein. Ça rend pas mal. Hein, le sépia, le jus sépia, ah, pas sépia, c'est terre d'ombre brûlée sur du métal, c'est cool. Photo Discord des figurines. J'avais craqué sur le robot, mais c'est chaud. Ah oui, oui, carrément, oui, oui. Ouh là là. Ouais, non, il faut être très minutieux. Bon, l'avantage, c'est qu'après, bon, tu deviens une pointure. T'en fais 104 comme ça, tu deviens une pointure en figurine. Hein. En photo découpe. Le jus sur le côté là, donc c'est reparti mon kiki. Trois petites erreurs, bon, c'est pas grave. Voilà. Frédéric, j'ai deux ordi, un pour regarder Didier et l'autre pour le Tour de France. Ah, il y a le Tour de France aujourd'hui. Ça commence aujourd'hui. Ah, Julien, tes figurines. Yes. Oh, ça va. Première en plus. Ouais, t'es dur avec toi-même, Julien, hein, ça va, hein? Tu
vois. Bon, après, ça va, quand tu vas évoluer au fur et à mesure que tu vas en faire, mais pour tes premières, c'est pas mal, hein. Non, écoute, ça va. Salut Renaud, modèle of the Attic. Salut Renaud. Oui, Didier avec le maillot jaune. Ah, bien dommage que je le vois sur le Discord. Bah, tu pourrais, hein. Et puis voilà, tu le vois à l'écran, je le mets à l'écran. Ouais, François Michel, ça va super bien la couleur terre d'ombre là avec le. Ça rend super bien. Enfin, après, ça rendra mieux dans les photos, j'imagine. Là, pour l'instant, on voyait pas grand chose. Ça a commencé hier. Ah, ok. Salut Jean-Michel. Ça, le Tour de France commence au Danemark. Bon. Ne cherchons pas de logique. Hier, le prologue. Je sais pas ce que c'est. Oh, ça doit être l'après. Il s'échauffe, non? Comment va la santé? Ça va? Ouais, ça va. Ça va. Ça va. Toujours aussi dur pour la bouffe et tout ça, hein, mais bon, on s'habitue. Ça m'inquiète un peu. Après, je vais peut-être faire d'autres petites. Je vais en profiter. Ça c'est parfait. Après ça, j'ai 2-3 trucs de couleur à faire encore. Et puis après, ça va être l'assemblage que vous mettez ensemble, pour la torpille, les bombes, là. Le moteur, le petit rond rouge là. Ouais, t'es toujours à l'hosto, bah ouais, ouais. Ah, courage. Toi, t'as bossé ce matin avec ton TBM. Oui, déjà, oui, j'ai montré une photo au début du direct. Vous m'envoyez ton TBM. Didier, puis-je me permettre de diffuser le lien de ma dernière vidéo sur le chat en te remerciant? Ouais, sauf que t'arriveras pas à mettre. Un italien, essaye, mais je pense pas que tu y arriveras. Salut Guillaume! Moi, nous dit Johan, je reçois 3 maquettes dans la semaine, mais pour l'instant, restauration de statue, ça change et c'est sympa. Ah! Qu'est-ce que tu restaures comme statue? Les flotteurs, c'est fait. En même temps, je ne salue pas trop. Hein. Je veux que ça soit à peu près propre.
ça passe. Bon voilà, faut pas trop en faire pour l'instant. On va faire aussi le tu repasses au bloc mardi. Ah bon, bon courage, il y a vraiment des soucis de santé hein, c'est dommage hein. Ça tu manga, ah d'accord, génial. Modèle est avec nous. Salut Bryce, comment tu vas? Bon, on va pousser ça un peu de côté. On va regarder un peu le capo moteur et le moteur. On devrait même pouvoir l'assembler normalement. Donc j'ai mis un peu de jus tout à l'heure. Voilà, nickel, tu vois. Pareil, c'est impeccable, petit café du matin. Bah, sympa, la musique est un peu forte. Voilà. Alors ensuite, quelques photos de notre ami Sylvain. Le tracteur Voros Chevette. Je continue la mise à partir du canon 122 mm. Hop. Assez sympa comme modèle. Alors le moteur, il est là, lui. Voilà, il est bon, je l'avais placé ce matin. Hop. Cool. Voilà. Alors normalement ça devrait se mettre comme ça. Attends, je dis pas de bêtises. Yes. Bon, on va le coller. L'hélice, je ne l'ai pas encore totalement terminé, mais ça, c'est pas grave, j'ai le temps. Voilà, un petit coup de colle ici. Thank you.
Voilà, on va le laisser sécher quelques minutes. Pensez au pouce haut. Oui, si vous le pouvez, ça serait sympa. Alors, avec le petit watering et tout, sympa. Donc voilà mon engin. Alors, on va mettre l'écran là, vous verrez mieux sans doute. Alors, hop, allez Didier. Oh. Yes. Voilà. Papa. Avec les câbles et tout, ça rend bien. Hein. Une belle petite tranche. Avec toutes les petites touches finales, bon j'ai encore la mitrailleuse que je poserai après, et puis celle-ci là, et puis celle-ci là-bas, et puis le moteur bien évidemment, la torpille, les bobinettes, 2-3 touches de peinture, un peu de rouge ici, un peu de vert là, un peu de, enfin il y a 2-3 petits endroits où je dois mettre une couche, enfin une petite pointe, et puis voilà, ça va être super. Bon, les câbles ici, là, ça a été la galère. Hein. Pour les rentrer dans les trous, les tendre après et tout. Mais bon, j'y suis arrivé. Chaque câble est rentré dans son petit trou et tout. Mais la prochaine fois que j'ai ce genre d'appareil avec des câbles qui rentrent comme ça, faut que je mette au point une autre solution. Parce que c'était trop galère. Et ça, c'est pas parfait comme je le voudrais. J'ai un très vieux kit résine, nous dit Gérard, et je voudrais pouvoir le refaire en partie en scratch, et l'autre à partir de moule. Quel produit prendre, merci. Alors là, je n'ai jamais fait... Ah, puis le petit rond rouge, tu vois, qui est juste là. La vie floppy. J'ai jamais fait ça, Gérard. Faire des moules avec, je sais que ça peut se faire, hein, j'ai déjà vu des vidéos là-dessus, mais moi j'ai jamais fait ça, jamais eu besoin de le faire en tout cas. Regarde, ça s'éteint, ça pour 3-4-5. Des fois elle s'éteint toute seule, il doit y avoir un mauvais contact. Tigrou, Didier, cela sera-t-il possible de te voir chez Euromaquette le 11 novembre vers les 14h? Oula, oui, si je suis dispo, why not? Il faudra que tu me le rappelles avant, évidemment, mais ouais, pourquoi pas? Pourquoi tu vas y passer, Tigrou, c'est ça? Ben, on va mettre le petit moteur, là. Ah, le petit moteur qui est tout sauf petit. Hein. Voilà. Il est encore plus beau avec son petit nez là. Ouais. Alors, attends, je regarde s'il est bien droit. Au dessus il y avait une petite coche, voilà, et puis il y a la petite hélice, bon, qui n'est pas finie parce qu'il me manque 2-3 bricoles. Il faut que je paye, vous savez, il faut que je paye les petits bouts en jaune là, tu sais, j'ai pas fait encore, mais déjà un peu la mettre en place, genre pour montrer ce que ça ressemble. Voilà. Bon, moteur. Impeccable. Ouais, je trouve mon petit stand tournant. Où est mon petit stand tournant? Celui-là c'est mieux parce qu'il est plus propre déjà.
Et il tourne tout seul. Voilà, bon, allez, je continue mon petit watering. Peut-être que je mettrai une petite touche de... Pip, 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 pip. Voilà. Je vais attendre que l'huile soit un peu plus sèche, enfin le travail que j'ai fait là, pour le retourner et coller les bombes et la torpille. Sinon, je vais laisser des traces de doigts partout. Et puis quand tout sera fini, ben un coup de vernis, le super vernis mat là. Et puis roule ma poule, hein, ça va être top. Alors, Didier, ça serait possible, mais il faut que tu me le rappelles bien avant. Salut Dick, question à 100 balles. On fait comment pour envoyer des photos sur Discord? Eh ben, tu prends la photo de ton disque dur, tu la déposes dans la fenêtre Discord, et elle s'affiche toute seule. C'est magique. Salut Gérald. Je te le rappellerai car je passe par la gare pour prendre mon avion, direction Phuket. Bah ouais, pourquoi pas, si je suis dispo ce jour-là, à ce moment-là, pas de problème, hein. Le moteur Bristol Pegasus de 690 chevaux. Ouais. Salut Alain. Salut Stéphane. Alain aujourd'hui monte son nouvel atelier. Comme il dit, mon nouvel atelier à moi tout seul. C'est sympa ça. Ouais, c'est quand même plus sympa quand on a son petit espace. Hein. Hop, on va rajouter ici un petit peu. Après, c'est juste une histoire d'observation, et puis de rajouter, et puis d'enlever, et puis de... Faut bien regarder partout. Là-bas, il y a un petit peu de peinture aussi, je dois rajouter, peinture grise. Il me semblait avoir mis le rond rouge, là. Je sais pas ce qui s'est passé, il y en a un qui est venu la nuit pour me l'enlever, c'est pas possible. Non, c'est une belle petite maquette. Et celui qui a le temps qui peut le faire un diorama, soit s'il est posé sur l'eau, tu vois, près d'un ponton, ou accroché par une grue, s'il est en train d'être descendu dans un porte-avions, là, t'as quand même une sacrée pièce. C'est quand même un sacré truc. On va laisser un peu sécher, repenser, etc., 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 etc. Je suis occupé à fignoler mon corsaire, je commence à en voir la fin, tu avais raison, il y a du taf. Ah oui, 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 oui. Le corsaire, c'est beaucoup de boulot. Femme interdite dans l'atelier, sauf sur demande par écrit. Oh putain. T'inquiète pas, tu vas vite, c'est les femmes, elles savent y faire. T'inquiète pas. Très vite, tu vas lui ouvrir la porte. Très vite. Au 1,32, bah oui, déjà au 48, regarde la taille du bestiau. T'as vu quand même, il est grand, hein. Donc au 32, waouh. Là, il faut une bonne place dans la vitrine, là. Alors. Alors, ce matin, j'ai commencé à préparer la revue pour le MIG... C'est le MIG quoi, déjà, ça? MIG 29, hein, c'est ça? Ouais, le MIG 29, tu sais, Ghost of Kiev, là, de chez ICM, au 1,72. Donc, j'ai cherché quelques infos sur ce fameux fantôme de Kiev, là. En fait, c'est du bidon, quoi, ça n'a pas existé. Alors, l'atelier de Floppy, ah, sympa. Hein, c'est qui le mec en jaune, là? Hein, c'est qui le mec en jaune?
sur le côté là. Ah, il est sympa ton atelier, t'as de quoi faire là. Ah, puis tu ranges tes maquettes dans des petites boîtes comme ça, ah, sympa. Comme ça, tu les as sous le nez, quoi. Ah, c'est chouette. Salut Jérôme, comment tu vas? Alors attends, on va remettre un petit peu de diluant là. Enfin, c'est pas du diluant, c'est de l'essence. Un petit peu l'essence, hop. Voilà. Ouais, il y a des petits reflets bruns, tout ça, ça fait joli avec le métal. En plus, bah, tu vois, quand j'ai déjà mis une couche de X22, là, tu vois, ça a toujours l'allure de métal. Et quand je vais mettre la couche mate aussi, ça sera. Tu vois, il n'y a pas besoin que ça soit brillant quand c'est du métal. Hein. Hop, voilà. Bon. Oh, ça fait pas mal. Peut-être un petit jus, des petites traces noires, là, bon jus. Bon, vous le voyez là l'erreur, hein. Non, vous ne voyez pas. Salut Mister Lalof. Le maillot jaune est toujours numéro 1, je crois. Ah bah oui, c'est moi le maillot jaune. Le Tour de France. Ah non, c'était un pur hasard, hein. Je suis pas du tout le Tour de France. Je suivais quand j'ai. Enfin, quand je suivais pas, mais j'étais au courant quand j'étais môme parce que mon père, il était fan. Donc tous les étés, on y avait le droit. Deux, trois fois, on est passé, pas loin de la maison, donc on allait chercher des. Et c'était à l'époque de Pouli d'Or et de Eddy Merckx. Donc tu vois, ça date. Hein. Ça date. Mais depuis qu'il y a eu toutes ces histoires de dope, là, tout ça, dopage. Enfin, depuis ça m'intéresse pour le sport en général. Voilà. Je préfère maqueter. On peut faire les deux, hein. Il y a des grands fans de sport qui font de la maquette. Mais moi, c'est pas mon truc. Alors. Ouais, je suis content. Après, quand je ferai des photos en grand, vous verrez bien avec le fil. Je ferai des photos sur un fond blanc. Vous verrez mieux les fils, tous les fils qu'il y a là. Il y en a des dizaines. Allez Poupou, ouais c'est ce qu'on disait, allez Poupou. Toujours deuxième, hein, l'éternel deuxième pour lui devant. Tout le monde l'adorait mais il n'est jamais arrivé premier, il est toujours arrivé deuxième. Puis c'était l'époque où tu pouvais te mettre sur le bord de la route, tu vois, les vélos ils passaient à 10 centimes, enfin à 30 cm de toi quoi. Tu vois, il n'y avait pas de barrière, pas de conneries comme maintenant là. Tu vois, et puis les caravanes à la fin avec les voitures, ils balançaient, tu vois, aux gosses, aux gens, ils balançaient des casquettes, des autocollants, enfin tu vois, des trucs. Et on revenait à la maison, moi j'aimais pas ça, mais j'avais la casquette pour leader, les machins, les trucs. On était contents, des fanions, des machins. Jean-Frédéric, je suis en PLS, la galère pour mettre en forme la résine. Ah ouais, c'est quelque chose. Bon, mais tu t'en es bien sorti là, waouh. Ça va te faire une belle petite Kubelwagen, là. Tu prépares ça pour un petit projet, un petit truc. Ouais, des bons becs, des machins, il y en a tout, hein. Le maquettisme est un sport. Ah, je suis la preuve absolue que non. Parce que je fais des maquettes depuis 40 ans, et quand j'ai eu ma crise cardiaque, le mec il m'a dit, monsieur, il faut faire du sport. Donc ça veut dire que, tu vois... Je lui dis ça, je lui dis bah je fais des maquettes, il m'a dit ah non ça compte pas ça. Ça compte pas, c'est pas du sport. Didier, tu as toujours ton super appareil photo, oui. Petit projet en attendant le GB10. Ah j'en ai plein d'appareils photo, tu sais, j'ai un Canon, un deuxième Canon. J'ai un petit bridge là, je sais plus c'est à quoi déjà, un Panasonic, sinon un Fuji. Ouais, je sais plus.
Bon, j'ai bien envie d'attaquer mes petites touches de peinture. Comme ça, après, je pourrais... Il n'a rien compris, le docteur, la maquette usinaire, il n'a rien compris. Ouais, alors? C'est vraiment quand je lui dis je ne faisais pas de sport, il m'a dit mais qu'est-ce que vous faites? Vous regardez la télé? Je dis non, non plus, j'ai pas la télé. Ben, il me dit qu'est-ce que vous faites? Je lui ai dit, je fais des petits modèles réduits et tout. Ah bon? Il m'a regardé genre, oula, on va lui faire un scan du cerveau celui-là. On va lui faire un scanner parce qu'il y a un truc qui ne va pas là. Après, je lui ai bien expliqué tout ça. Il m'a dit, ah oui, d'accord, c'est pas ce que je pensais. Bon, ouais, je vais sortir mes petites peintures là, parce que je vois plein de petits trucs, faut que je le fasse. J'ai mes pinceaux, j'ai ma diluant, j'ai tout ce qu'il faut à portée de main, j'ai même pas envie de me lever. Il faut lui dire que j'ai fait de la PE toute l'après-midi, que j'ai fait ma crise cardiaque. Alors, au contraire, moi, quand je suis à l'atelier, c'est là où je suis le plus calme, hein. Je m'énerve plus quand je ne suis pas. Moi, quand je suis là devant mes maquettes, je suis. Là, tu vas prendre ma tension, elle est bien comme il faut. Hein. Bon, alors mon petit pinceau, viens ici mon chéri, viens. Voilà, bah, celui-là, c'est bien, là. Hop, hop, hop. Non, je prends la pointe. Celui-là. Ouais. Nickel. Alors là, je vais faire des toutes petites retouches. Je devais les faire hier et puis... Bah, cette tamia va bah, légèrement diluer. Pour donner une allure de, tu sais, ça a été votre petit coup de pinceau, quoi. Voilà, voilà, voilà. Alors, c'est quand j'ai collé l'aile, donc tout le point d'aile, quand j'ai collé les flotteurs, c'est nickel. Là, j'ai pas mis de colle, Ah, voilà, mon coco, hein, tu vas pas. Nickel. Bon, ça c'est bon. Maintenant, je vais sortir la peinture rouge. On va mettre les petites poignées là. Viens ici, toi. Bon, Frédéric, je vous laisse. Madame et la petite veulent sortir. Ok. A plus, Jean-Philippe. Jean-Frédéric, pardon. Ah ouais, Sylvain, t'as raison, c'est une séance de maquette, c'est...
Enfin, pour moi, ça n'équivaut pas une séance de méditation, mais tu vois, c'est comme une séance de méditation. On est bien plus calme. Alors, le rouge, donc. Bon, je vais prendre une tam-tam. Comme ça, j'ai juste une seule couche à faire. Il y a deux petits trucs à passer, là, c'est pas grand-chose. Super que tu refasses un avion en plusieurs étapes comme tu l'avais fait. Oui, là en direct c'est particulier. C'est sympa pour moi parce que j'ai pas de montage premier à faire, j'ai juste appuyé sur le bouton, c'est le but. Hein. Après c'est moins didactique que quand je faisais ma vidéo pour le Corsair par exemple, tu vois. Bon, ça aide sûrement pour les débutants parce que je donne quelques infos, mais pas autant que de vraies vidéos tutoriels, tout ça, tu vois. Qui sont censés être rouges. Je ne pouvais pas les peindre avant parce que... Voilà, bon, c'est pas évident. L'important, c'est qu'on voit que c'était rouge. Hein. Ah oui, alors la prochaine maquette, les mecs. Voilà, c'est tout beau. Maintenant, faut que je regarde. Ouais, qu'est-ce qu'on va faire? Parce que, on avait dit maquette, enfin, le char, hein, pas la voiture blindée. Ouais, j'ai pas trop envie. Attends, je regarde quelle couleur c'est en bout d'elle, dans quel sens c'est. Alors, mobiloute. Il ne faut pas faire de bêtises. Ah. Alors, je me souviens plus de quelle couleur. En force, je devrais les connaître par cœur. Voilà, X7, c'est la rouge, c'est ça. Donc, c'est celui-là qui est rouge. Ok. Bon, on va profiter, on va le mettre comme déjà, tu vois, on va être tranquille. Voilà, côté rouge, de l'autre côté c'est un vert, hein, si je dis pas de bêtises. Un bleu, bah oui, un bleu, pourquoi j'ai dit un vert? Didier! Salut David! Salut Cocaine, comment tu vas? Petit coucou passant, car invité chez des amis. Eh ben, écoute, bonjour à tout le monde, profitez-en bien les amis, c'est précieux. Tu le vois bien ici avec nous, la communauté Plastic Green. Avoir des potes, c'est quand même bien sympathique. Salut Didier, un petit bonjour en passant quand je suis invité à un mariage. Ah bah disons, c'est le jour. Remarque, les mariages, ouais, c'est la saison. Hein. Quand il fait beau comme ça. Voilà, il y a une petite pointe de bleu, on va mettre du bleu. Bon, modèle aux articles, je dois te laisser. Encore félicitations pour le travail. Bonne journée à tous. Ok, bonne journée à tous. Ah, à toi, je veux dire. Pardon. Alors, du bleu. Viens ici, mon coucou. Sauf que là, j'ai pas de bleu. Bah ouais, non. J'ai un bleu métallique, j'ai un bleu transparent. On va chercher le bleu de gamme. Ah, et un mister color, mais c'est exactement la même chose. Après, on va faire les petites touches marron là pour le cuir qui est autour des. Oh, enfin, quelque chose. Oh, oh bah, eh. Un Mustang couleur Lydra, bois 48, Didier, pourquoi pas début de gueule. Oh non, non.
j'aime bien le Mustang. J'en ai un à monter que je ferai en vidéo et tout sur la chaîne, hein, un VLR là, avec le tout bazar en résine, moteur et tout. Ça va me prendre un temps fou. Donc je vais pas en faire un autre avant quoi. Tu vois. Alors, une pointe des bleus. Voilà. Ben, j'étais tenté par la... Parce que tu vois, après, au mois de septembre, avec les vidéos normales, là, pas classiques, tu vois, montées sur Premiere, tout ça, là, je vais attaquer le Bismarck et le Tigre. Je vais terminer le Tigre, le Durama, les figurines et tout ça. Ça va prendre un peu de temps, quand même. Donc, je vais pas faire un blindé. Pavillon, on vient d'en terminer un. Donc, soit on termine une maquette que j'ai en cours, là, on avance dessus un peu. Voilà, donc j'ai fait les deux. Voilà, pareil, vous allez avoir que dalle. Tu vas te lancer comme ça. Bon, ça fait ma tranche. Non, non, ah bah tu vas y arriver. Hein. Voilà, bon, on voit pas, mais j'ai fait les deux petites poignées en rouge là. Ici et là, vous verrez un peu mieux sur les photos. Et puis les deux petites loupiottes là, c'est la rouge et bleu là. Et là, je vais faire les petits trucs en cuir, là, tu sais, sur les côtés. Il y a plein de petits trucs en cuir pour que les pilotes, ils se... machin, là, je vais m'occuper de ça avec un marron très classique. J'ai eu des news des figurines du Bismarck, elles devraient arriver. Ouais, moi aussi, j'ai reçu un mail, alors que j'ai fait rembourser par PayPal. Hein. Donc, je comprends pas trop le bordel que c'est. J'ai fait une demande de remboursement à PayPal en expliquant que j'étais en Ukraine, près de Kiev, donc ils ont sûrement des problèmes, j'ai pas de nouvelles depuis 4 mois, patata. Ils m'ont remboursé dans l'heure. Et là, c'était hier matin, je crois, enfin bref, je sais plus, j'ai reçu un mail de comment ? C'est genre avec un numéro Colissimo, là, vous allez bientôt être livré. Donc, je sais pas, ce qui se passe, quoi. Tu avais un Avenger à faire, non, 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 j'ai pas d'Avenger. Après j'ai des gros trucs, mais ça me prendrait trop de temps, là, j'ai pas envie de me prendre la tête, tu vois, j'ai envie de faire un truc comme celui-là, soit j'expérimente des trucs, là ça paraît pas, mais j'ai expérimenté plein de trucs. Sans me prendre la tête, j'ai pas fait de trop de recherches, tu vois. Après j'ai ma Hébro, hein, j'aimerais bien faire ma Hébro, là, une voiture de course. Regarde, elle est belle, une petite voiture, on fait jamais de voiture. Une voiture des années, tu vois, 70, avec une belle, tu vois, la rouge là et or. J'avais fait la revue là, de ça pendant un direct là. Elle est super ce qu'il y a dedans. Hein. C'est superbement moulé, c'est fin, c'est, y a plein de... Ça peut être sympa. Après, bon, on peut se mettre sur une maquette que j'ai, tu vois, que j'ai pas fini là. Soit l'intruder, là, tu vois, finir l'intruder, ou le Curtis Aldiver, oui, c'est le Curtis Aldiver que je dois finir au 32. Et là, c'est du boulot, il y a beaucoup de scratch. C'est même que du scratch, carrément. Bon, les musicos, oui, allez boire un coup, et puis après, on s'y remet. Hein. Alors, attends, ça, je range. Alors, un petit marron, maintenant. Marron genre celui-là, hein. Flat brown. Le tramway de chez Mini Art, ça va me demander beaucoup de préparation parce que je voudrais le faire d'une façon spéciale. En essayant, en ayant pour inspiration le superbe tramway là, que je vous avais montré à l'expo de Montrouge. Alors je ne vais pas faire le même évidemment, hein, tu vois, j'en ai pas le talent de toute façon, mais je voudrais essayer de faire un truc comme ça, genre un tramway abandonné avec dedans
quelqu'un qui serait refait une petite maison, enfin tu vois. Donc ça demande de la préparation, donc non, faire ça maintenant, non. Non, ma femme me demande aussi à sortir. Bah, tu dis vas-y, pars devant, je te rejoins, chérie. Et puis voilà, t'es tranquille. Ah non, t'oublies tout de suite, tu pars tout de suite. Bon, d'accord. Salut le love, ciao. Salut Patrice. Oh, le Assassin's Creed. Il est bien avancé, hein. Je suis pratiquement à l'étape peinture, mais on pourrait le continuer, le finir et tout ça. Puis ça ferait une maquette de moins. Tu vois, j'en ai quelques-unes quand même que je dois finir, là, qui sont en cours, quoi. Par contre, ce marron-là, il me semble. Bon, c'est bien, mais il y a pas, j'ai pas un truc un peu plus clair. Ça, c'est quoi ça? Red Brown. Ah, ça me plaît déjà mieux. Ouais. Le Red Brown, ça me semble déjà mieux. Ouais, le Assassin's Intruder, bah, je vous montrerai après. Il est dans la boîte là-bas. C'était pas mal, hein. J'avais, je l'ai mis en croix et tout. J'avais fait pas mal de petites choses dessus. Alors, voilà, ça c'est le bon marron là. Bon, les musiciens, c'est bon, vous avez eu un coup de flotte et tout, c'est bon. Allez, on s'y remet un. Au prix où je vous paye. La lotus. La lotus. Bah ouais, ça serait sympa. Et moi, je voudrais la faire avec des peintures classiques, tu vois, enfin des. Ma gamme Tamiya, tu vois. Et après mes vernis, tu vois, quitte à en faire plusieurs couches, bien poncer entre chaque couche. Je vais pas acheter de la peinture Zero Paint ou Gravity, ou tu vois, parce que c'est des gammes que j'ai pas. Je fais une voiture tous les 3 ans, bon, je vais pas, tu vois. Mais normalement, même la couleur métal, tu vois, c'est couleur or et rouge. La couleur or, j'ai un pôle à extrême métal couleur or. Et puis après, toutes les couleurs métal et tout, tu vois, ça pourrait être pas mal, ça pourrait changer. Elle est belle une fois finie, hein, c'est une 1/20, elle est quand même grande, hein, elle est comme ça. Elle, tu vois, sur une belle planche de bois verni, là, ça doit être magnifique. Hein. Salut Dimitri! Par contre, je recherchais un peu de doc dessus, là, sur Internet. J'en ai pas trouvé beaucoup. Hein. Donc, je vais faire confiance à la notice, hein, c'est pas grave, mais. Parce qu'après, tu vois, le gars qui fait des. Attends, j'essaie de trouver un bon angle. Le gars qui fait beaucoup de voitures, ou souvent des voitures, bah, c'est pareil, tu vois, il a de la doc, il a l'habitude, il sait que les voitures. Quand on fait une tous les 3 à 4 ans comme moi, ça vaut pas le coup d'acheter plein de docs et tout ça, il faut trouver sur Internet. Mais pareil, t'as pas obligatoirement les liens. Moi, j'ai beaucoup de liens avion, pardon. Mais j'ai pas de liens, beaucoup de liens voiture, quoi. Surtout des voitures comme ça spécifiques, de course des années 70. Bon, je me concentre, hein. Quand je passe la langue comme ça, c'est extrême concentration. C'est pour refroidir le cerveau. Voilà. Je vais bientôt faire une revue de peinture Speed Blister, moins cher et bien meilleur que les Aeropaint, je trouve. Ah ouais?
Mais pourquoi ça ne marcherait pas ma Tamina par exemple ou, tu vois le rouge là, pour le rouge de la Lotus. Si on passe bien, tu vois, c'est un bon aplat. Couche bien fine, une belle surface bien préparée. Et ensuite, 2, 3, 4, 5 couches de vernis brillant avec ponçage et tout. Pourquoi ça ne marcherait pas? Pourquoi je serais obligé d'avoir une gamme spécifique pour le... pour les voitures ou motos. Voilà, bon ça le fait. Le but c'est que ça ressemble un petit peu à... un petit peu beaucoup. Fais des choses bien. Tu pourrais poster une vidéo d'annonce pour voir si certains d'entre nous ont dans leur terroir les docks sur la Lotus, par exemple. Ça m'étonnerait. Parce que c'est quand même une bagnole spécifique. Et j'ai cherché même des petits bouquins. Des fois, il y a des petits bouquins pas chers sur Amazon. Lotus 49C, année 1970. Zéro, net. Allez, faut que j'y aille chercher le petit. Ok. À plus, Thomas. Donc, je prends un pinceau un peu plus fin parce que là. Ouais, sur internet on trouve quelques photos de la voiture hein, mais entière en course de loin tu vois bon ça n'est pas d'une grande utilité j'aimerais bien avoir des photos du poste de pilotage des photos du moteur les photos des enfin tu vois des Ok. Bon, j'ai débordé un tout petit peu, mais après avec le jus, ça va se résorber. Voilà. Bon, ça c'est bon. Qu'est-ce que j'avais dit d'autre? Le rouge, le vert, la machin, le ci, le là, c'est bon. Bon, toutes les parties vitrées elles sont encore masquées, mais ça je l'enlève vraiment, vraiment, vraiment à la fin. Ouais, bah, ça, tu vois, c'est déjà sec. Je peux peut-être coller les deux petites. Avec Walker Hand, ah oui, j'ai tout essayé. Oui. Walker Hand, machin, Engine, en français, en anglais. Et il n'y a pas de photo du moteur, tu vois, explicite, ou de l'intérieur du poste de pilotage, ou tu vois, quand on va monter les roues là. Bon, je me fie à la notice, hein, c'est pas très grave. Hein. Quitte à faire une belle peinture, autant prendre une teinte au plus réel de chez le petit matos. Ah, toi, tu nous fais de la pub du petit matos, hein, dis donc. Quand tu peux la placer, celle-là, tu la places.
Tu as de la doc sur la 49B sur Ultimate Carpage. Il y a de mémoire très peu de différence avec la 49C, qui est juste une légère évolution utilisée depuis 70, enfin la 72. Voilà, Ultimate Carpage, c'est ça? Attends, allez, moi, souris, je confonds. Alors, Ultimate Carpage. C'est RLC, donc je vais aller chercher ça sur. J'y vais tout de suite, hein, je cherche. Hein. Comme ça, je peux bloquer la page, tu vois. Attends, parce qu'après, je me connais, j'oublie rien. Lotus 49. Je tape que 49. Hein. Lotus 49 Cosworth, ouais, ça, c'est celle qui est juste avant. Et Lotus 49B. Ben voilà, c'est celle-là que je vais faire en plus. Et Image Gallery. Ah! Alors je vais le montrer sur le truc pour que les gars puissent voir. Bon, il y a quand même. Voilà. Donc la page est là. Merci beaucoup. Hein. Regarde toutes les photos. Voilà. C'est pas pour tout câbler, tout ça. Tu vois, je m'appelle pas A4 Garage. Hein, mais s'il y a un petit câble que je peux rajouter sans trop de difficultés, que ça rajoute un petit peu à la maquette. Peut-être qu'il n'y aura pas du tout, mais moi j'aime toujours avoir des photos comme ça. Bon, hop, allez, on peut mettre ça en barre personnelle, on va mettre ça en chez maquette. Enregistré. Génial! Merci beaucoup Christophe. Salut papou! Voilà, donc je relis si j'étais inquiètement votre petit matos, bon d'accord. Ça m'étonnerait qu'au petit matos, ils ont la teinte spéciale Lotus 49C de 1970. Je serais assez étonné. Ok. Bon, alors. Les deux petites... là d'ailleurs, ben non, j'ai pas la ref. On n'a pas la ref du tout. Alors ça, je peux mettre à la poubelle, c'est le vieux truc. Alors, peut-être que ça aussi, hein, tant qu'on y est. Non, puis tu vois, nouvelle peinture, ça ne veut pas seulement dire acheter une nouvelle peinture, parce que j'imagine que les pots ne coûtent pas 600 euros de la les peintures du petit matos. Ça veut dire nouveau diluant, mais surtout nouvelle habitude de peindre, parce que tu vois, chaque peinture est différente pour l'aéro et tout. Alors que je connais par cœur toutes celles que j'ai là, et je veux bien trouver un rouge, c'est pas non plus un rouge super extravagant, hein. Je sais pas si tu vois. Attends, je vais te montrer la photo, on va repasser en mode celle-ci, cam. Ouais. Hop, regarde. Tu vois, c'est pas non plus un rouge super bizarre, machin. En faisant 2-3 essais, je suis sûr que je vais tomber pile poil dessus. Moi qui ai l'habitude des, tu vois, des mélanges, des teintes et tout ça, ça devrait pas être bien. Et la couleur or, et ben écoute, la couleur or, on va là. J'en ai déjà de la couleur or. Thank you.
sa petite mitraillette. Et maintenant, on va mettre les petits trucs là. C'est pas facile de changer de gamme. Ouais, bah surtout pour une seule truc, tu vois, pour une seule. Une seule teinte. Je crois que c'est la peinture acrylique hein, qu'ils font chez comment Petit Matos. Moi déjà je peux pas aller sur Facebook, donc moi déjà je pourrais pas commander chez eux parce qu'ils ont qu'une boutique Facebook. Oui, c'est acrylique, voilà. Ben, moi, tu vois, j'utilise pas, à part pour mes figurines, mais la Valero, mais tout le reste. J'utilise pas trop la peinture acrylique. Hein. Dans mes maquettes, en tout cas. Hein. Hop. Bon, ça, je l'avais mis dans les petits trous, là. Ils sont peints en noir, donc je les peindrai en gris très très foncé. Et puis après un petit dry brush en gris clair. Hein. Voilà. Zou, voilà, ça c'est posé. Maintenant on va poser aussi la petite, pas la petite, le fût de la mitrailleuse dans l'aile là. Pas mais c'est le canon qui est juste là. Alors je l'ai peint hier, elle est au-dessus là. Il fallait que je coupe un peu le bout là. Mais celui-là je vais coller à la cyano parce que c'est du métal. Hein. Alors je regarde si ma fille m'avait pas parce que j'ai une fille qui est. Une de mes filles qui est sur la route là, et j'aime pas quand mes enfants sont sur la route. Je suis jamais tranquille, surtout quand c'est des départs en vacances. Donc là, elle est partie à 14h, elle va arriver, elle m'a dit vers 19h, 20h. Ça passera pas arriver, je serai pas tranquille. Alors, un coup de cyano. Ça va aller vite. Hein. La petite lame qu'il faut. On trempe ça dans la cyano. On va coller ça là-bas au fond. Une deuxième petite coupe par sécurité. Voilà. Ensuite, on prend la petite pince. Et on va déposer ça. Reviens ici, mon chéri. Pas beaucoup, mais bon, on sait qu'il est là, comme on dit. Hein. Voilà. Quand on termine un avion ou un blindé, il y a plein d'autres petits trucs, tu vois, des tout petits trucs à faire à la fin. Et on cherche et on tourne et on regarde, est-ce que j'ai rien oublié, est-ce que je pourrais pas rajouter une petite pointe de ça ici, et ça, et ça, et ça. Et mine de rien, ça prend du temps, c'est long.
Le petit écart à rouge, on pourrait le poser aussi, hein. Par contre, toujours pas de possibilité de commande, de possibilité, pardon, de commander chez Florimodel. Ah bon? Ah ouais, parce que bah, moi j'ai encore, chez eux, je ne prends que les limes, les fameuses limes, là, les paquets de limes. Là, j'en ai encore pas mal, donc ça va. Je crois que je suis tranquille pour le reste de l'année. Et bon, il a dû calculer que c'était pas. C'est pas, tu vois, financièrement. Alors, je cherche les. Vous où les décaliers? Ah, ben, ça va. Alors, une houle rond rouge. J'étais sûr que je l'avais mis, j'étais certain. Mais j'ai pas le rond rouge. C'est pas un problème, hein. Je peux faire un petit pochoir et tout, mais ça me attend un peu. Non, je n'ai pas le rond rouge. J'ai l'appel du. Je l'avais découpé, je l'avais mis tout près du truc et tout. Ah, bien. La photo des coupes. Ah, merdouille, merdouille, merdouille. Bon, je vais regarder brièvement par terre, des fois ça serait tombé là. Sans trop d'espoir, hein. Ça peut marcher. Ou alors là. Bon, c'est pas grave. Dans mes, comment on appelle ça, dans mes planches à rabiot, tu sais où je mets tous mes trucs qui me servent pas, enfin tous mes chutes de décal, quoi. Je suis sûr que je vais trouver un petit rond rouge. Ça devrait pas poser de problème. Et au pire du pire, si je ne retrouve pas, je fais un petit pochoir avec mon compas, là, un coup de peinture rouge. Rouler jeunesse. D'ailleurs, je me vois bien, hein, le couper, le préparer pour la mise, enfin, toi, pour le poser. Et, ben, voilà, toi. C'est pas grave, j'ai juste un petit rond rouge. N'utilisent plus du tout leur jus de non, j'ai pourtant deux flacons encore, mais ça m'arrive, hein, je les utiliserai, c'est parce que tu vois, voilà, c'est un bon produit, hein. C'est un bon produit, t'as même pas besoin de X22, hein, c'est un truc, c'est de la flotte avec une argile fine, tu vois, c'est vraiment super. Sur mon support avion, bah non, je pense pas. Le clavier? Non. Je sais pas ce que j'ai dit. Si, c'est juste que bah après il y a, tu sais, quand je fais des vidéos aussi, il y a plein de gens qui, si j'utilise les trucs fleuris, il y a des gens qui vont me demander où c'est où qu'on peut commander, parce que c'est un bon produit, c'est quand même pratique, hein. Tu vois? Et là je leur dirais, bah non, vous ne pourrez pas les avoir parce que vous ne pourrez pas les commander. Très foncé, donc sur les deux pièces qu'on a rajoutées là en haut,
là j'y vais en plusieurs couches avec la Tamiya. Pour ne pas noyer, tu vois, que ça soit le plus fin possible pour ne pas noyer les détails. Et puis quand ça sera sec, un petit dry brush avec un gris plus clair. Et l'affaire sera dans le sec. On dirait des petits compas, des petits. Voir si c'est des trucs pour poser aussi le. Peut-être c'est pour poser la mitraillette aussi, pour la changer de. Non, je pense pas parce qu'il y en a de chaque côté, je pense que c'est plutôt. Il y en a aussi pour le poste d'obsède de l'observateur, donc à mon avis, c'est pas du tout un truc pour l'armement. Assez tripoté, je pense qu'on peut le laisser tranquille un petit peu maintenant. Et demain, quand il sera bien sec, le retourner, mettre les bombes, mettre la torpille. Et puis un coup de vernis mat là-dessus, et puis ça sera bon. Hein. On va regarder la Hébro après. Pour ceux qui n'ont pas vu la revue, je vais vous montrer ce qu'il y a dans la boîte. On commencera la semaine prochaine. Encore un petit montage de vacances. Comme ça, moi, j'ai pas de. Comment ? J'ai pas de montage premier à faire, hein, ce qui m'arrange beaucoup. Sans oublier le petit rond rouge. Bah ouais. Mais là, je le retrouve pas. Alors, soit je trouverai dans la boîte à rabiot, soit je. C'est bizarre d'ailleurs, parce que c'est rare que je perde des trucs. Ça coule. Ok, allez, mettons ça à sécher tranquillement. On va nettoyer tout ça. Après, je vais vous montrer ce qu'il y a à l'intérieur de la boîte. On va discuter un tout petit peu de ce qu'on va faire. Et je ne l'ai pas mis au-dessus. Hein. Bon. Alors, les jus, ça, je vais le garder parce que j'ai peut-être une petite retouche à faire demain. Ça va aller vite. Celle-ci, la pâture à l'huile, je la garde quand même. Hop, nouvelle. Ça, on garde, ça, on range. Et voilà. Bon, je pense que la prochaine fois. Ce sera fini le sort fiche. Et puis je le ferai tourner sur un truc là, et puis je ferai des photos, et puis voilà, vous pourrez regarder ça. Et on attaquera la Hébro. Je vais enlever ça. J'aurais déjà l'air moins ridicule. Salut Eric. Aujourd'hui c'est garder les petits enfants. Je maquette. Ah, tu maquettes ce soir. Ah d'accord. Je n'ai pas d'autorisation d'envoyer des messages sur Discord. Bon, on va aller voir.
faut que je t'autorise avant. C'est quoi, c'est Lavoc56 ton pseudo? C'est quoi ton pseudo Dick sur Discord? Parce que là, t'es pas connecté, tu vois, regarde. Il n'y a que Lavoc qui est en ligne. Alors, si c'est toi, c'est bon. Si c'est pas toi. Kikinouk, Didier, j'ai une question. Je fais le Phantom Tamiya version B. Ils disent de ne pas mettre les stencils pour cette version. Pourquoi? Ah, je crois que sur le truc Tamiya, c'était pas un truc avec une déco spéciale. Donc du coup, ils ont peint sur toutes les stencils et puis ils n'ont pas remis les stencils parce que c'était une version spéciale. Ah, c'est toi Lavoc? Ok, donc on va changer ton pseudo déjà, hein, parce que... Donc c'est bien Dick. Et Carole, si, on va te mettre souscripteur. Voilà, c'est bon, Dick, tu peux y aller. Alors Dick, pourquoi ce pseudo? Parce que ça m'intrigue quand même. Tout le monde sait ce que ça veut dire Dick en anglais. Bon, faut que tu nous aiguilles là-dessus. Hein. Pourquoi tu as choisi ce pseudo-là? Le canon de 122 mm pour aller avec le tracteur. Prends forme en te regardant. C'est une belle pièce d'artillerie. Hein. Dick Rivers. Ah, tu crois que c'est pour Dick Rivers? Qui parlerait pas l'anglais ou qui pigerait rien, dit que pour un américain, l'anglais c'est limite. C'est le mot littéralement, hein. C'est le mot quéquette mais grossier. Donc, Dick Rivers, je sais pas pourquoi il avait choisi ça, mais notre ami Dick là. Bon. Salut Philippe! Ce qui est pas grave, hein, c'est très bien, hein. chacun, c'est pas une critique. Hein. Bon, alors voilà la maquette Hébro, donc j'avais fait une petite revue. On va effectivement regarder déjà les... Tu vois, c'est pas mal rempli. Les pneus sont absolument magnifiques. Il n'y a pas de flash, il n'y a rien. C'est net, précis. Bon, il y a des grappes chromées et tout que je vais déchromer, évidemment. Tu vois. Mais la notice, le rouge, là, ouais, c'est possible qu'ils mettent la Tamiya, comme tu dis. Tu vois, les décales sont super. Un petit décal, une petite rectification. Enfin bref. Et puis les bons, ils sont assez bien. Enfin, ils ont une bonne réputation, quoi, je veux dire. J'étais voir sur la chaîne de Fabio, là, il a monté en Hébro camionnette, NDS aussi, je crois. Et à un moment, il dit que Hébro, c'est pas mal, enfin, il est content du truc, quoi. Il n'y a pas un truc de peinture là-dessus? Normalement, oui. Oui, tu vois, c'est toutes les peintures, toutes les... C'est tout en Tamiya, tu vois. X7 Red, ouais, tu vois, c'est le X7. T'as raison. Donc après, on peut peut-être rajouter, si c'est un peu plus orangé. Je pense pas que ça soit orangé, hein. C'est bien rouge. Hein. Tu vois. Oui, parce que je l'avais signalé, c'est vrai, je ne m'en rappelais plus, mais que les gars qui ont créé cette marque-là, Hébro, c'est des anciens gars de chez Tamiya, qui bossaient chez Tamiya. Et ils ont eu l'autorisation voilà, pour la peinture et puis pour certaines grappes, je ne sais pas quoi. Enfin, ouais. Donc voilà, on va faire ça, ça va être vraiment sympa. Ça va changer. Voilà. Ça va changer un peu.
C'est Bilout en américain. Bilout. Ah bah c'est ça, Bilout. Dédicace à Lydie qui cherche partout un petit rond rouge. Ah bah t'en as plein, Floppy. Regarde, il y en a des ronds rouges. Dit que c'est aussi le diminutif du nom Richard. Oui, cela n'a pas de sens. Oui, c'est bizarre d'ailleurs. Ce fut une malheureuse faute de frappe. Tu sais que tu peux changer, hein, sur Google. Si tu vas sur ton compte Google, dis que tu peux le transformer en DAC. Hein. Parce que là, bon, tu auras beaucoup de succès sur les sites porno américains, mais tu vois, avec un pseudo pareil. Tu vas sur ton compte Google et à un moment, tu peux changer ton pseudo tous les 3 semaines ou je sais plus quoi. Tu mets DAC. Et puis après, bon, ça met quoi, 24-48 heures avant que ça revienne, toi, dans tous tes commentaires, que Dick se change en DAC. Mais tu peux le faire. Hein. On dirait presque une notice Tam-Tam. Oui, c'est pratiquement pareil. Hein. Tu sais, les petits logos, les petits machins, les petits trucs, c'est vraiment, on voit que les gars, ils ont bossé effectivement chez Tamia. Voilà. Bon. Écoutez les gars, 1h34 qu'on est en ligne. Non mais je vais trouver ça, j'en ai plein de... Je vais peut-être même trouver en direct. En direct. Regarde, c'est tout mes choux que j'en ai un paquet. Oula. Bon ça c'est tous les petits instruments machin de beurre, hein. Ah, regarde, ça commence. Ah ouais, non, ça c'est les œufs, machin, j'utilise jamais d'ailleurs parce que je fais toujours. Ça c'est les restes d'un BF109 tropical. Ça c'est du carbone. Ça c'est toutes les boîtes des machins, des posters, des ci et là, des... à coller pour les dioramas. Ça. Bon, je vais bien trouver un petit rouge là-dedans. Je crois même que j'avais une pochette rondelle, je sais pas, enfin, tu vois, British Rondel, un truc comme ça. Je l'ai trouvé. Hop. Ça, c'est du... Ah, ça, c'est une belle planche, un vieux français, je la garde pas, c'est sûr. Bref. Ça aussi, avion français, ça aussi, avion français. Ah, ça, c'est pour le Lockheed F5B, donc capitaine Antoine de Saint-Exupéry. Ouais, ça approche, je ne sais même plus que j'avais ça. Bref, hop. Ah, ça va être trop gros. Mais c'est déjà une bonne, tu vois. On va trouver. Alors ça, c'est pour le F-16 Tiger Meat. Là, ils sont trop gros aussi. F-18 Hornet, Navy Prowlers. Patati patata, Dauntless 5B, mais au 32. Ça, c'est que des petits insignes. Curtis 172 et 1.48. Ça c'est pour la super étendard, ça c'est je sais plus quoi, un corsaire, ça c'était pour une bagnole de course, une Ferrari, ça c'est pour un Mirage 2032, et ça c'est... Oh, Storm in the Sky Typhon, il n'y a pas des ronds rouges là-dedans. Ah, regarde les deux petits là. Je crois qu'ils sont encore un peu trop gros. Allez, vérifier, mais je crois qu'ils sont là. Ah oui. Il faut... Ah, ceux-là, peut-être. Bon, il y a ceux-là, ils sont un petit millimètre trop gros, mais je les mets de côté. Au pire, je prendrai ceux-là. Mais j'avais un truc, hein. Ça, c'est Klosterman. Ça, c'est quoi, ça? La 37 Dragonfly. Ça,
6, ça correspond à D520 de bottine. Ça, c'est pour un. Ça, c'est pour un F104. J'en ai des trucs, hein. Je ne sais plus où les mettre. Mais il y en a où l'autre ? J'en avais un, le scandale, là. Bon, alors je crois que je vais prendre cela. Hein. Il va être nickel pile poil. Mais ça, c'est la planche avec tous les appareils de Clusterman. NLB, le LOD, enfin tout ça. Donc on pourra encore faire un Spitfire Clusterman. Donc c'est, ouais, je prends les petits là, ça va aller nickel. C'est un petit, mais même pas un millimètre. Quand je dis un millimètre, c'est plutôt la moitié d'un millimètre. Je vais même le couper tout de suite pour le mettre de côté. Et puis demain, je le poserai tranquille. Salut Johan. Si ça plaît pas aux Américains, je m'entends pas. Oui, moi aussi. Moi aussi, je suis pas. Comment tu dis ça? Politiquement correct. Oui, voilà. Voilà. Touk. De côté, puis demain, là je vais bien le mettre de côté du coup parce que. Voili voilou! Je vais le poser, je sais où exactement. Voilà. Donc voilà, la prochaine fois les gars, ça sera le soir de fiche fini, et puis on commencera tout doucement la petite ébro. Ah, au début, ouais, la DAC, c'était pour la Dutch Africa Corp, c'est ça. Bon, ok les gars, merci de m'avoir suivi, merci de m'avoir rejoint ce samedi après-midi, donc 2 juillet, et on se dit à très 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 bientôt pour une autre vidéo, pas demain. Je suis occupé. Peut-être lundi après-midi, mardi après-midi, un truc comme ça. Ok. En tout cas, stay tuned, comme on dit. Et puis après, on va se régaler à monter cette petite voiture de course, la Lotus Type 49C de chez Ebro. Bonne fin de week-end, bonne soirée à tous. Prenez soin de vous. Et puis à très très bientôt. A plus les gars, ciao. Je perds la souris.